Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, nous sommes partis quelque temps sur l'île de la Réunion. L'île intense où rien n'est de demi-mesure, ni les paysages, ni le lagon aux eaux turquoises. Nous nous sommes jurés de découvrir tous les secrets de cet endroit incroyable. En arrivant, nous n'étions pas prêts à vivre cette aventure unique et hors du commun. Nous avons vécu une rencontre magique et à la fois effrayante avec la baleine, qui plus est le plus gros mammifère marin. Un instant si court mais violent en émotion, qui sera à jamais gravé dans nos têtes. Nous vous emmenons avec nous dans la découverte d'un instant qui fut le plus beau de notre vie. Hola, ¿cómo está Hola, la familia? ¿Cómo está en la casa de l'île de la Réunion? Mucha buena pizza. Ouais, tu veux me filmer? Franchement, vas-y, filme-moi carrément. Eh bien ou bien la famille, bien ou bien. Qu'est-ce qu'on fout encore aujourd'hui? Putain, encore une vidéo. On va pas avoir de moto. Eh non les amis, il n'y a pas que la moto dans la vie, merde. Faut voir autre chose un peu. Là, voilà, il y a un bateau qui nous attend. Une petite barque, une barquette. Alors moi, je suis pas fan de tout ce qui est aquatique et tout. Moi, tu vois, je suis un mammifère terrestre qui est fait pour respirer l'oxygène d'air, tu vois, comme ce petit oiseau. Est-ce que lui, il va aller visiter les baleines là dans l'eau? Bien sûr que non, Charlotte. Charlotte, t'as dit on est en avance. Tu t'es vanté qu'on est en avance. Le problème, c'est qu'on a toujours pas trouvé la bonne barque. En fait, en ce moment, on vous explique sur l'île de la Réunion, c'est une période particulière qui est très rare d'ailleurs, saison où il y a énormément de baleines. Elles viennent sur les côtes parce que l'eau est plus chaude, elles viennent se reproduire, faire leur bébé pour que leur bébé puisse bien grossir, devenir énorme. Je crois un bébé, ça prend quoi, 80 kilos par jour? Entre 40 et 80. Il fait déjà je sais pas combien de tonnes le bestiau, enfin bref, tu vois, là, elle rigole pas les baleines. Là, on va pouvoir éventuellement les observer, on sait pas, et puis voilà, visiter... Ce que monsieur Scubananas a décidé de nous faire voir, si on arrive à le trouver. Ah, on a trouvé. On a trouvé le camion. Voilà. Oh, la belle baleine. Alors voilà, une maman baleine avec son baleineau. Ce qu'on espère voir aujourd'hui. Mais pas de trop près, faut pas les déranger quand même, faut pas casser les couilles. Ça, c'est Charlotte. Avec c'est moi, m'a dit. Oh, regarde les dents qu'il a, le poisson. Mais c'est pas moi, parce que moi, là, je suis morte déjà. Bah voilà, on est là. Hein. On n'a jamais été autant là que là. Oh, tu veux t'asseoir sur le petit rocher? Allez, comme une moule sur son rocher, m'a dit. Ce qui est trop cool depuis qu'on est ici, c'est qu'il y a plein de gens qui nous proposent de faire plein de trucs. Et en plus, c'est souvent des trucs qu'on n'a jamais fait de notre vie, hein, vu que moi, on le rappelle, je viens du fond du trou du cul de la Champagne. Tombe pas, Charlotte, tombe pas. Et c'est avec immense plaisir qu'on essaye tout ce qu'on peut, surtout ce genre de trucs. Moi, je vais pas te cacher, c'est des trucs... Ça peut vous paraître anodin d'aller... en pleine mer voir des animaux, mais moi, c'est une aventure pour moi, c'est quelque chose. En plus, j'ai des courbatures là, et on s'est mis au crossfit. Ah les gars, c'est quoi ça, le crossfit? C'est quoi le but? C'est de la torture? C'est genre maintenant les combats avec Charlotte, c'est ça? Hey, tu casses les couilles! Ah! Tu casses les couilles! Aïe! On s'appuie sur les courbatures carrément, tu vois, pour se battre, ça suffit amplement. Il y a besoin de se taper et tout, tu vois. Merci la Réunion, merci le peuple accueillant, et n'hésitez pas, si vous êtes à la Réunion, que vous avez une activité à nous faire découvrir. On est toujours ouverte. C'est... Guêpe noire. Non, on dirait une... Bouge pas, attends, laisse ça se poser sur toi. Bouge pas, m'a dit. Non, bouge pas, il va se mettre dans tes cheveux, bouge pas. Bouge pas, je veux trop qu'il se pose, j'arrive pas à voir ce que c'est. Elle me fait des frissons. Oh, le bruit qu'elle fait, on dirait une tronçonneuse. Et les amis, en commentaire, si vous connaissez un petit peu l'île, les trucs à faire ici, les types de motos que je pourrais essayer. On n'a pas toutes les idées en tête là sur ce qu'on va faire. À vrai dire, on est venu ici complètement à l'arrache, hein. Rappelons-le, Charlotte. Pourquoi on est venu aller à la Réunion? On sait pas, on s'est juste dit pourquoi ne pas être venu à la Réunion. Ça, c'est plus la question à se poser. Je t'aime, Charlotte. Moi aussi, m'a dit. Voilà. Tu me le dis avant que je me fasse tuer par une queue de baleine? Si tu te fais agresser par une queue de baleine, je te laisserai un petit peu. Tu profites, ça fait longtemps. Ça y est, je suis pas bien. J'ai envie d'uriner. Salut! C'est t'as la larme là qui coule là. Voilà. On est contente, m'a dit.
pour tous ceux qui ont uriné dans leur combinaison. J'ai hâte d'uriner dedans aussi. C'est parti. C'est la dernière fois que vous verrez Sarah. The floor is literally lava. Ah oui. Par un requin. C'est vrai. Arrête, c'est la honte si je tombe dans l'eau. Attention. Ok, bienvenue. Ne fais pas tomber avec bah la non, caméra. ce serait ballot quand même. Merci. Donc les baleines qui sont ici sont là exclusivement de passage. Donc c'est pour ça que toutes les activités que nous on va proposer vont être quand même le maximum respectueuses. C'est quand même un mammifère qui revient de très loin parce qu'au milieu des années 1900, elles ont vraiment frôlé l'extinction suite aux pêches complètement intensives qu'il y a pu y avoir. Une baleine à bosse, c'est à peu près la taille d'un autobus. Elle va faire une quarantaine de tonnes, une quinzaine de mètres. Pour ceux qui se posent des questions par rapport aux requins, ce qui nous donne le feu vert d'un point de vue sécurité par rapport aux requins, c'est l'aspect mise à l'eau, l'aspect clarté de l'eau, je veux dire, pardon. Si l'eau est claire, si l'eau est limpide, pas de souci, on peut se bien laisser dans l'eau. Si d'aventure on devait croiser un prédateur, on aurait le temps de le voir, on aurait le temps de se faire récupérer par le bateau pour remonter à bord. En 12 ans, moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. T'as peur ? Non, pas encore. Est-ce que tout le monde a ses équipements, combinaisons, palmes, masque, oui. Tuba ? Oui. Pour sourire, ça. Oui. Non, par un dauphin, par Galak. On peut lui marcher sur le pied à lui. Regardez. Ouais, tu peux y aller, ouais. Il aura mais pas que mal. Sur le droit, par contre. Regarde cette belle vue magnifique. Prête, vas-y. Tu es prête, vas-y. Bah, je suis pas prête, vas-y. Je dirais qu'on a le rhume. Vas-y en premier. J'ai la gerbe aussi. Aussi. Ça va ? Ouais, j'ai la gerbe aussi. T'as déjà picolé sur le bateau là ? Hein ? Bah, avant de venir là. J'ai vu une grosse bête. Une grosse bête. Tu vas où là ? Voilà, moi je suis au boulet qu'on traîne. Ça va t'être. On est perdu en pleine mer. On est perdu en pleine mer. La femme bouée, c'est moi. C'est ma gueule. Encore loin, Madagascar. On est perdu là. Les gars, on a été nager en pleine mer. On a vu des baleines. C'était trop cool. On n'a pas pu nager avec parce que enfin, chaque fois qu'on allait dans l'eau, elles se sauvaient. Mais c'était trop cool. On s'est pas fait bouffer par les requins. On est encore entière. On m'a dit deuxième tentative. Deuxième tentative. J'espère que ce sera la bonne. C'est toujours un moment très agréable. Allez, vas-y. C'est mouillé ? C'est frais. Bon, les baleines, c'était dur à voir. Là, on a repéré des gros catus. Des gros dauphins. Les plus gros des dauphins. Et on veut les voir. On va voir si on les trouve. Avant, on va vomir un peu. Avant, on va vomir quelques fois. Ouais. Regarde,
y aller, vous pouvez y aller. Sur l'arrière du bateau. Tout en même temps à côté de nous quoi. Attends. Dans les sargasses. On est de la vie. Il y a plein de choses. Six antennaires. C'est quoi des antennaires, des poissons? Ouais, comme des poissons crapoucou. Ça, c'est une petite crevette des sargasses. Voilà, ça, alors, on est sur la symbiose. On a toutes les espèces symbiotiques. Requin-marteau. Requin-marteau? Un nudibranche, c'est une masse de merde. Mais pareil, spécifique, c'est un sargasse. Là, t'as une petite araignée, non? Ça, c'est une petite araignée. On a nagé avec des baleines et on a nagé avec des dauphins. Mais c'était un truc de malade mental. Meilleure expérience de toute ma vie. Qu'est-ce que t'as ressenti, m'a dit, dans l'eau? T'es dans l'eau, t'es en pleine mer. Ça fait peur. Déjà, on a trouvé les dauphins. Non, on a trouvé des énormes dauphins. On a dauphins. Trouvé des c'est énormes genre dauphins. Le plus gros dauphin, ouais. La plus grosse race, ouais, de dauphins. Et il est énorme et il fait autant peur que la baleine. Hein. Ouais. J'ai trouvé, ouais, perso. Enfin, surtout qu'il y en t'es a dans l'eau, plein. Tu tournes tes yeux, il y a un dauphin par là. Tu baisses les yeux, il y en a en dessous de toi. Il y en a partout. Il y avait des bébés. Et après, il y a une baleine qui arrive avec les dauphins, quoi. Une baleine, ouais, avec son baleineau. Et il y a un gars du groupe, il s'est perdu dans les baleines. Genre, il était au mieux, je me suis dit, il va mourir, lui. C'était un copain dauphin. Ah ouais, grave. C'était trop impressionnant. La baleine avec son baleineau, elle est passée devant nous, là, juste devant nos yeux. Ouais. Vraiment, je sais pas combien, 2 mètres. Ouais, je sais pas. C'était prêt. Tout prêt. Ça faisait peur. C'est impressionnant. C'est un truc de malade. Voilà. Voilà. Merci, Scoop Bananas. Bizarroïde.